生まれた時からずっと俺の目の前には鬱陶しい壁があった。来た、地鳴らしが来た。俺たちはやることはただ一つ、戦え。信じたいんだ。エースを怒れ、エースを叫べ、エースを戦え。Bonjour à tous, c'est parti pour la réaction à la partie 3 de la saison 4 de l'Attaque des Titans. C'est l'avant-dernière partie de cette grande saison finale, la dernière arrivera en automne. Je vais donc réagir avec Idan en duo à cet épisode qui dure une heure. On n'oublie pas bien évidemment les pouces bleus et de s'abonner à la chaîne si jamais ça vous intéresse. En attendant, c'est parti, let's go. Le grand terrassement. C'est parti. Imagine-toi à la place des petits, tu vois ça arriver devant ta gueule, tu te sens comment? Là, adulte, je me sens comme une merde, alors enfant... C'est fou quand même. On se serait jamais douté une seconde que Eren attendait Eren. Oui, en plus. En plus de ça. Eren, c'est un peu un dieu quand même, hein, dans cet univers-là, par ses pouvoirs et tout. Il est un peu hésitant, quoi. Il est pas sûr. Après, il m'a dit pardon, je suis désolé. Il a quand même l'air sûr de son choix. Hein, dans le sens où bah, il sait ce qui va arriver, du coup. C'est parce que le monde lui plaît pas, en fait. Oui. Wow. Ah, les images, ils sont violentes. C'est terrible. En vrai, je pense que je m'envoie en l'air hein, si ça se passe comme ça. Ou peut-être pas, je sais pas, j'aurais peut-être pas la force. Ah, franchement, je suis pas bien, Idan, tu verrais ma tête. Bon, un peu déçu parce que tu sens que c'est de la CGI, mais ouais, franchement, mais ça va. Oh là là, Idan, sérieux, l'intro. Pour que lui voit le monde dont il a rêvé, tu vois les têtes rouler, les gens se suicider. Ils ont même pas d'avenir, de toute façon, dans tous les cas, avec son titan, lui. Allez, viens là. Allez, viens faire un bisou. Hermine, c'est quand même un personnage qui a beaucoup d'espoir. Hein. Ouais. Ah oui, leur capitaine, ouais. Génial cet épisode. Hein. C'est rare de voir Annie comme ça. Hein. Ouais, elle rougit quand même. Oui. Oh attends. Ah. C'est quand même plus qu'un égarement là, excusez-moi. Il a perdu ses clés, je vais l'aider à les retrouver quoi. Bon par contre vu le temps qu'ils prennent à mon avis, ça finira sur autre chose que ce que je pensais. Bah alors. Oh là 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 là, non, ça me fait de la peine, je te jure. Ah ça c'est plutôt cool à voir pour Reiner. En tout cas, ils gardent confiance d'arrêter le grand terrassement. Tu peux pas leur enlever ça. Et Erwin, il se posait cette question-là aussi. Hein. Ah putain. Oh là 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 là. Je vais chialer. C'est grandiose, je te jure. Il a pris une sacrée douche. Ah, oh ah c'est pour ça qu'il était. Oh non. Oh putain, dur. Écoute, pour l'instant, on a une demi-heure d'épisode et je trouve ça quand même très bien. Ah non, non, c'est super. Ah putain, oh, oui, bah oui. Ouf. Oh là là. Oh non. Moi, je pense que ça va être la grosse séquence d'action pour l'épisode, en tout cas, à mon avis. Ah, mission évasion quoi. Ah oh, c'est ouf hein. Oh c'est terrible. Ah oh, non c'est terrible. Ouais c'est le côté poétique de la chose, ok. Ah oh, c'est insane. C'est magnifique. Magnifique Idan, vraiment Il demande quand même de l'aide à ses copains. Hein. C'est rare. Hein. Il se met pour la première fois à la place de Reiner.
レベリオ襲撃の夜にエレンに同じことを言われた。俺だったらもう始祖の力を誰かに任せてしまった。 Donc il appellerait les autres à la rescousse. Toujours été fidèle quand même, même jusqu'à aujourd'hui hein, quand je regarde bien. Ah, il se remet la faute sur lui en plus hein. だとよエレン。今なら。俺たちがやることはただ一つ。Tu sais plus donner de la tête en fait. Après, c'est dur de réclamer sa liberté à soi si tu la laisses pas aux autres que t'aimes, entre guillemets. Avec Irène, on sait jamais. Oui. On arrive à un point quand même où. Bon. Tu regardes les seuls avec eux-mêmes. What? その能力が発現するんでしたよね。獣の巨人の特徴が発現してるみたいなんです。そう。あ、c'est le père de Dani。はい。本当に大丈夫だよ、ブラウンさん。あの子たちは強い。Ah ouais, putain, les parents de Sacha. En vrai, faut que la Réonère qui vole haut quand même, hein.人類に残された最後の砦となる。Comme ça, ça fait un peu peur, hein. 悪魔の島へ吐き捨てた。Oh, c'est dramatique, hein. C'est. その結果。C'est intéressant de voir tous les parents voir qu'ils ont fait tous des erreurs, quoi. C'est l'assaillant qui réagit ou c'est Sig? Je pense que c'est. Tout se joue, tu sens quand même au point où on est.C'était le boulot de ma pas quand même, hein. Ouais. On va s'arrêter là-dessus. Oh, oh, quel plan. Oh, c'est. Oh, j'ai. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. J'ai les poils. Mais je vais. Non, je peux pas. Je t'en supplie. Là, c'est pas beau là. Non, c'est moyen là. Il va se mordre. Il va se mordre là et on s'arrête là. Oh, c'est insane.Oh non, le pauvre. Oh, moi je le regarde, je suis à fond. On se voit en automne, Grimes. Putain, à chaud c'est compliqué, hein. Je vais pas te mentir. De quoi? À chaud c'est compliqué, hein. Ah. Première sentie là, quand même. J'ai trouvé ça grandiose, hein, à l'image de ce qu'est l'attaque des titans, de toute façon, depuis maintenant. Là, c'est quand même un gros condensé de trucs un peu ouf, quand même, hein, c'est vraiment bien. Hein. Ouais, ouais, y a tout. Je trouve que l'action est plutôt bien dosée, fin d'épisode, milieu, dialogue pertinent. Moi, je trouve juste une petite. J'ai juste eu un petit sentiment de. Si vraiment je dois juste pointer un truc un peu négatif, un petit sentiment de vide. Tu sais, au niveau du moment où ils sont un peu tous en train de parler tranquille et tout machin, tu sais, quand on avait dit justement ça permettait aussi d'avoir un moment de calme et tout, mais je sais pas, juste un peu voilà, là-dessus, mais sinon après tout le reste, ouais, c'est vraiment top quoi. Y a tout hein, dans cet épisode, un dialogue. Bah, déjà, l'intro quand même, qui est peut-être l'une des meilleures intros que j'ai vues dans un anime ever, genre tellement c'est violent, et tellement c'est la dépression à souhait quoi. On peut vite fait rapidement parler du dessin et comme ça c'est fait. Écoute, franchement, je trouve que Mappa a fait du très bon travail. Il y a certains passages effectivement. Il y a 3-4 voilà. Plans qui sont très bof. Ouais, mais genre sinon, vraiment le reste, très bof. C'est beau le reste. Mais sinon le reste c'était vraiment propre. Ouais, ouais, les couleurs utilisées et tout. Même C'était pas du photoball, mais c'était quand même vachement bien quoi. Non, c'est il y a juste 2-3 plans. Ouais. Franchement, c'est simple, hein. Il y a le plan avec Sig là qu'on a vu un peu à la fin. Il y a le plan des canons. Il y a le plan des canons. Et après, même, j'arrive même pas à me rappeler de l'autre. Donc, t'es absorbé par l'épisode. Clairement, alors moi, tu vois, là, je te parle en tant que personne qui l'a pas lu les scans, tu vois. T'es absorbé par l'épisode, puisque tu n'attends en fait que le grand dénouement. Non, l'intro est quand même terrible quand t'apprends, pour l'instant, parce que je me l'intro dis qu'il reste... est d'une violence. Enfin, je me dis qu'il reste quand même un épisode d'une heure, donc avec l'attaque des titans, il faut être prêt à tout. Enfin, moi, je pars du principe qu'avec cette série-là, il faut être vraiment prêt à tout, tu vois. Donc, attention aux rebondissements ou aux trucs qu'on peut avoir dans la dernière partie.
Tu commences quand même avec Eren qui fait comprendre que au-delà de sauver les Eldiens, il détruit le monde parce qu'il ne lui revient pas. C'est quand même terrifiant. Le monde qui s'est créé en fait grâce au livre, voilà. Il ressemble pas à ça. Donc ouais, c'est comme quand tu t'imagines des persos dans quand tu lis Harry Potter et quand tu les vois, bon, t'es pas très. C'est ouais, c'est ce monde-là lui revient pas en fait, dans le fond, puisqu'il s'était imaginé un monde. Il fait un déni de sale gueule au monde, quoi. Ouais, voilà, c'est terrifiant, tu vois. Donc t'apprends ça. Déjà, en plus, t'apprends ça les 10 premières minutes, donc tout de suite, ça te met... Et puis la scène avec le gamin, elle est... La scène avec le gamin est terrifiante. Puis en plus, tu sens quand même qu'il n'est pas encore totalement à l'aise avec cette idée-là au début, tu vois. Il est presque même hésitant. Il enfin... Ouais, il n'est pas à l'aise, je sais pas, parce que comme je dis, le côté... Ok, il pleure parce que ça le choque, je pense, de faire tout ça, mais... Ouais, mais il va le sauver, ce gamin, quand même. Puis après, t'as toute la scène extrêmement belle avec Annecy qui va elle aussi faire sa dernière chevauchée. Alors, cette fois, elle est plus dans les airs par rapport à Erwin qui était sur son cheval, mais la finalité est la même pour elle. Elle sacrifie pour l'humanité, mais pour ce qui reste de l'humanité actuellement, tu vois. C'est quand même dramatique. La scène est magnifique où il y a ce parallèle avec la mort, elle les revoit tous, on voit... Il y a Mike, il y a Erwin, il y a tout le monde vraiment et c'est excellent. On avait vu Pixis, je crois. Non, pas Pixis. J'ai pas fait attention. Oui, j'étais vraiment focalisé sur Erwin quand je l'ai vu. Tu t'es bien battu. On va boire un petit verre, tu me racontes tout. C'est beau. Ce chenapan d'Eren. Alors moi, tout de suite, je me suis dit, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il y a un purgatoire maintenant? Parce qu'on sait jamais avec l'attaque des titans, je t'ai dit, les surprises... vont très vite là-dedans, donc ouais, toute la partie avec Zoé qui est belle, la musique qui l'accompagne, ce sacrifice, les questions des qu'elle se pose. Des grosses vibes de première saison avec... Ouais, de ouf, avec, et puis surtout, les questions qu'elle se pose étaient les mêmes que se posait Erwin. T'as aussi le revoir entre elle et Levi qui est froid, mais qui est aussi plein d'amour, hein. Tu sens qu'il l'aime beaucoup, mais bon, Levi c'est un personnage qui a beaucoup de mal à... Il dit son premier sasa Gayo. Ouais, c'est fort ça. Bah oui, il a lui dit, ah ouais, tu l'as jamais dit. C'est un personnage qui a du mal à s'ouvrir, mais tu vois, et puis elle y va, tu vois, elle a pas peur, hein, elle sait, elle a le sourire aux lèvres et tout, c'est magnifique. Franchement, elle embrasse ce moment, quoi. Ouais, elle embrasse sa fin, sa finalité. Là où Erwin, il y avait un côté guerrier dans ce qui se passait, elle, il y a plus un côté poétique, genre elle se plonge à Ouais, elle plonge tête baissée dans la mort, elle est émerveillée par tout ça, parce que les titans, ça a été En plus, ça c'est beau en plus, parce qu'elle aurait pu mourir de n'importe quelle sorte, mais elle meurt avec les titans. Quoi. Et puis elle qui est omnibulée par eux depuis tout ce temps, c'est très poétique, bon, c'est à l'image de l'attaque des titans, donc là-dessus, je pense que c'est quand même un de mes passages préférés avec celui de la fin quand même. Oui, bah à la fin t'as l'impression que ça y est, c'est Avengers. Quoi, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voulait, hein. C'est ce qu'on voulait même voir aussi, donc ouais, toute la partie avec Zoé est géniale, et après il y a tellement de choses, parce que c'est quand même un épisode d'une heure, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué de revenir sur tout à chaud. Ce qui est fort avec la fin, c'est qu'ils ont en face de leurs yeux l'incarnation de la haine qu'ils ont nourrie, enfin qu'ils ont utilisée pour nourrir leurs enfants pendant toute une génération, tu vois. Et en fait, il y a un côté karma, tu vois, où ils voient le karma arriver devant leur gueule, littéralement, quoi, donc... Dire qu'il reste encore un épisode d'une heure, c'est dur, quoi. On a le timing précis. Je sais pas. Ouais, parce que ça se trouve, gros, on va se taper un épisode de 20 minutes, on va avoir flou. Non, moi, j'avais entendu que, de base, c'était un grand film de 2 heures qui était prévu, mais qui a été découpé en deux, en fait. Et moi, je trouve ça un peu terrifiant. Alors, je vais faire mon mec un peu tatillon, mais je trouve ça terrifiant de se dire qu'on a pris autant de temps pour voir la suite, que en fait, la suite, on l'a même pas en épisode, qu'on l'a en sort de mini-film. Et que même là-dedans, ils arrivent à te faire beaucoup de CGI, pas très beau des fois, beaucoup de trucs. Ça reste beau, hein, ça reste très beau à voir et tout. Hein. Mais tu dis quand même qu'il y a un gros problème dans la production de MAPPA, quoi, sur certains points. Ouais, je pense qu'ils ont aussi beaucoup de pression. Ils ont aussi beaucoup de pression. La pression parce qu'ils ont des contrats avec la télé, parce qu'ils ont ils ont d'autres animés aussi en cours, c'est compliqué. Parce que franchement, ce qu'ils ont sorti là. Les mecs, ils doivent crunch comme des porcs, ça doit être terrible. Ce qu'ils ont sorti quand même sur les 10 dernières minutes, certains plans là. Oui. Les barils d'essence là qui tombent. L'intro pour moi, c'est l'équivalent d'une bombe nucléaire. Ouais, mais c'est ça. Tu vois ce que ça fait, quoi. Et c'est ce qui est fort aussi, c'est que j'en ai parlé un peu pendant le react, mais c'est mis vraiment en contraste avec. En fait, tu sais, l'image d'Eren qui vole dans le ciel avec. C'est le contraste, tu vois. Dans la tête d'Eren, lui, il est complètement ailleurs. Ah, liberté, liberté, je suis libre et tout. Et en fait, tu vois ce que sa liberté à lui cause chez les autres, quoi.
Et ça, rien que ça, là, en mise en scène, que lui, tout le match chez lui, ce soit bleu, ce soit joli et tout. Ouais, et tout va bien de son côté, là, il embrasse la liberté, etc. Et quand tout t'as des bolognaises, quoi, c'est terrible. Hein, c'est... Ouais, c'est très fort. Hein. Tu vois, t'as un côté où tu sais que c'est la fin. Tu sais, tu te demandes vraiment comment ils vont pouvoir s'en sortir. Même eux, ils ont du mal à y croire, tu vois, mais ils continuent quand même d'avancer. Puis t'as ce passage aussi avec Eren, quand il leur fait comprendre qu'ils sont libres, mais il les empêchera pas d'agir s'il faut. Tu vois, c'est... En fait, ce qui est dingue, c'est que tu dis que c'est là où il y a une couille. Et ça, Rainer, il en parle, c'est que depuis le début, Eren, il peut gagner, en fait. Ouais. Il a juste à imposer sa volonté parce qu'il a le titan original là, sur les Eldiens, et puis c'est finito, quoi, tu vois. Mais il leur laisse quand même le choix, tu vois. Donc c'est là de demander si, comme dit Rainer... Parce qu'encore une fois, ce serait complètement... il pourrait le faire, mais ce serait complètement hypocrite, sachant qu'il prône la liberté, tu vois. Ouais, ouais, c'est dingue. Je me demande vraiment comment les choses vont se terminer, tu vois. Genre, j'ai pas plus de réponses à mes questions avec cet épisode-là. Donc je suis content aussi parce que je sais que je vais revivre encore un grand épisode. Et puis même, en fait, je viens de me rendre compte d'un truc quand on avait parlé, avec les parents à la fin, mais t'as un parallèle, c'est-à-dire qu'au début, tu vois le grand terrassement par la vue des enfants, avec les deux gamins, là, principalement. Hein, et tu vois beaucoup d'enfants mourir au début. Et à la fin, tu vois avec les parents. Et rien que ça, tu vois, le petit parallèle, encore une fois, je trouve ça hyper intéressant. Tu vois le grand terrassement sous la vue des enfants. Ils subissent le truc, c'est hyper gore pour eux, c'est complètement traumatisant et tout. Et à la fin, eux, tu sais, ils n'ont pas à avoir de regrets parce qu'ils viennent de, entre guillemets, ils viennent de naître, tu vois. Donc, ils ont juste de les. Enfin, ils meurent avec leur espoir de ce que leur vie aurait pu être. Et tu vois les parents, eux, qui vont vers leur mort, mais avec. Ils ne sont pas encore morts, mais bon, dans l'idée, ils voient leur mort en face, quoi. Avec l'idée des regrets. Et en fait, au début, ça parle. Tu vois beaucoup l'espoir dans l'épisode, et à la fin, tu vois les regrets. Tu sais, c'est toujours ce parallèle que t'as dans. Dans cet épisode-là, il y a énormément de parallèles, et tu vois, je trouve que pour un épisode d'une heure, c'est ultra bien équilibré, c'est ultra bien dosé. Il y a tout. Et tu vois, au début, je m'étais dit, putain, un épisode d'une heure, j'avais peur que ça fasse un peu trop, parce que je me rendais pas compte de comment les choses pouvaient être faites, tu vois. Alors, d'habitude, des épisodes de 20 minutes. Et en une heure, je me suis dit, putain, mais comment. Moi, je pensais vraiment que ce serait plus speedé que ça, que par exemple, les phases où ils sont dans l'avion et tout machin, ce serait speedé. As fuck, et qu'on serait à un autre point sur la fin. Mais... Pour un mec qui a pas lu l'escadre, je trouve vraiment que l'épisode il est parfait. Enfin, moi vraiment, j'ai rien à redire. Tu vois, je trouve que on prend son temps quand il le faut, on continue à travailler les personnages, rien n'est incohérent pour l'instant avec tout ce qu'on a installé. Le seul truc où même moi j'ai pas de souvenir qui sort un peu de nulle part dans ma tête, c'est le truc avec Annie. Tu sais, avec le fait que soi-disant le titan féminin, quand il gobe des. Ouais, temps, ouais, bah alors, oui, ça, en parlons-en, parce que franchement, j'ai pas de souvenir. Même moi, j'ai pas de souvenir, je t'avoue. Là, j'ai l'impression que c'est sorti un peu nulle part, ça. Il y aura forcément un attaque des titans spé dans les commentaires qui nous dira. Ouais, mais c'est bizarre. Putain, je me suis mis à jouer avec les vidéos de Kamel et Kita, etc. Et je reste et Annie qui d'un coup a l'espoir et veut peut-être bouger. Enfin, c'est ce qu'on comprend, quoi. Parce qu'elle se rend compte que Falco a peut-être un truc qui peut les aider, quoi. Puis après, tu vois que Sig est contrôlé, a l'air d'être contrôlé par Eren. Et puis t'as vu, il a plus de couleur. Hein, c'est encore une fois, on est sur quelque chose de très poétique, on est sur un truc, tu sais. Mais la dernière fois qu'on voit Sig, il est pas enchaîné par Eren dans le. Si, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, ça a tellement bien marché la hype que tu sens la désespération totale de se dire, mais comment les persos que j'aime bien ils vont faire pour s'en sortir avec ça, quoi. Qu'est-ce qui va se passer tellement comment tu te sors d'une attaque nucléaire comme ça, en fait. Ouais. Ça, j'ai bien aimé cette phrase aussi des parents qui disent qu'en clair c'est leur, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est leur haine, et c'est le quand la mère de Rainer se rend compte un peu de ce qu'elle a fait à Rainer, etc. Ça, c'était beau. Donc je vais pas te mentir, je m'attendais pas spécialement à une mort. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à des morts, tu vois. Mais Zoé, je te cache pas que je suis assez surpris. Je ne m'y attendais pas. Ouais, mais je trouve ça cool. Elle est dans la ligne, enfin, elle est dans la suite de ce qu'a fait, de ce que lui a appris. Il faut du drama quand même, il en faut un petit peu. Hein. C'est vrai que si tous nos héros étaient encore en vie ou autre. Dis-toi que Jean a survécu au premier épisode. Ouais, donc oui, c'est vrai. Là-dessus, c'est vrai. Tu peux être content déjà. T'as pas rage quitté. Non, je suis très satisfait quand même. C'est vraiment une très belle œuvre. Il y a tout qui me plaît là-dedans. Ça va être très dur de dire au revoir au dernier. Ça va être très dur. En automne. Moi.
Et puis je vais aller me poser en vrai. Tu vois, je vais aller me poser une petite demi-heure avant de faire le montage, histoire de bien digérer. Bien parce raison. Que franchement, il y a quand même beaucoup de choses dans l'épisode. Très digeste, hein, attention. Hein, je trouve qu'il est ultra bien dosé, très bien équilibré, comme je disais. Je pense qu'à la rentrée, petite rentrée. On verra, on fait les paris. On fait les paris. On verra. On n'oublie pas les petits pouces bleus, bien évidemment, et de vous abonner à la chaîne si jamais ça vous intéresse. Et on se voit donc dans quelques mois. La cloche, c'est vrai, on n'oublie pas la cloche. Et abonnez-vous à Monsieur Miam aussi. C'est vrai. Il mange des tacos avec des têtes de Mikasa dedans, c'est incroyable. Portez-vous bien, les amis, et à bientôt.